me quitter alors qu'en fait pour moi c'est l'amour de ma vie, Marion. Non mais je crois peut-être que ça y est, j'ai la réponse à tout ça. Quoi, c'est parce que le Mario là, tu vois, il a remarqué que ce n'était pas la vraie Peach quoi. Oui, c'est Yaspooky quoi. Non mais arrêtez, je vous interdis de dire ça. Je suis la vraie Peach, moi je suis pas Yaspooky. Partez de ma chambre. Partez, partez, sortez de ma chambre. Tu sors de ma chambre. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. En tout cas pour ma part, bah moi ça va. Très très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et alors là je veux vous le dire tout de suite, c'est encore une fois une vidéo très importante. D'ailleurs je pense que vous le savez déjà si vous suivez un petit peu les dernières vidéos, mais nous avons Yaspooky qui est complètement obsédée par le tout nouveau film Mario. Et pour être un petit peu plus précis, elle a complètement fait une obsession sur la princesse Peach. Elle est tellement influencée qu'elle s'est même carrément transformée en princesse Peach. Je peux vous le dire qu'elle a carrément le déguisement, la petite perruque, la petite couronne aussi. Oui, je veux dire que c'est carrément la vraie princesse Peach. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se comporte aussi également comme la princesse Peach. Ça veut dire que là, depuis quelques jours, les gars, elle veut tout faire pour organiser un rendez-vous amoureux avec Mario. Oui, là, c'est sérieux, ça part très loin. Et vous savez quoi? On va encore une fois monter à l'étage jusqu'à sa chambre et on va aller lui rendre visite, bien évidemment. En attendant là, pensez à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait trop plaisir. Continuez à mettre plein de pouces bleus. Donnez-moi beaucoup d'amour, je compte sur vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait trop plaisir. Allez, ça y est, regardez, je me trouve tout juste devant la porte de la chambre de Yaspooky. Et allez, Yaspooky, Yaspooky. Attendez, vous entendez ou pas? Yaspooky. Attendez, je me permets d'entrer quand même parce que là c'est pas normal ce qui se passe. Yaspooky. Yaspooky. Déjà, je suis pas Yaspooky, moi je suis Peach, ok? Mais, ok, désolé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as du chagrin, Yaspooky? Et arrête de m'appeler Yaspooky, moi tu peux m'appeler la princesse Peach, ok? Oh, excuse-nous, la princesse Peach. Mais alors attends, pourquoi t'as autant de chagrin? Déjà, explique-moi, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je voudrais organiser un date avec Mario, mais le problème c'est qu'il répond plus à mes messages. Mais c'est sérieux, comment ça? Oui, il répond plus à mes messages, je suis trop triste. Oh non, c'est abusé. Désolé, mais ça me fait rire, les gars. Attends, mais c'est abusé. Non, mais c'est complètement dingue, les gars. Yaspooky se prend vraiment pour la princesse Peach. Et non, Yaspooky, calme-toi, tu te fais du mal. Voyons, calme-toi. Non, je peux pas me calmer, je suis trop triste. Oh non. Désolé, moi, les gars, mais je suis pas là pour régler des chagrins d'amour. Je sais pas comment m'y prendre, moi. Je crois que je vais aller voir Simspooky. Simspooky va pouvoir nous aider, je pense. Hey, Simspooky? Simspooky? Simspooky, laisse-moi jouer, gros. Je suis en pleine game, regarde. Je suis en pleine game. C'est important. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a en fait là? Arrête de. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un problème avec Yaspooky. Oh non, mais quoi encore? Me dis pas qu'elle est encore possédée par cette princesse Peach, non? Si, c'est ça le problème. Alors attends, écoute-moi. En fait, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je commence par quoi là? Dis-moi. Bon bah écoute, tu me fais la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle en même temps. Tu sais quoi? Allez. Ok. Je t'écoute. Bon bah d'accord. Non mais en fait, je crois que ce sont deux mauvaises nouvelles. Oh, allez, vas-y, je t'écoute. Vas-y. En fait, Yaspooky, elle est encore et toujours complètement obsédée par la princesse Peach. Ok, bon bah ça, on le savait déjà, on va dire. Ok. Écoute, c'est la suite. Le pire, c'est que maintenant, elle veut complètement faire un rendez-vous amoureux avec Mario. Là, tout de suite là, elle est en pleurs. Elle est complètement attristée. Et ça part loin. Je te jure, ça part trop loin là. Aïe. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire du coup, nous? Yaspooky, je compte sur toi pour régler la situation. Toi, t'as de bonnes idées. Bon, vas-y. Attends, t'es en train de me dire qu'elle a un énorme chagrin d'amour. Il va falloir nous aider. De mon expérience, tu sais quoi? Les chagrins d'amour, normalement, moi, tu vois, je peux m'en occuper, je peux régler ça. Viens, allez où? Allez, encore dans sa chambre. Dans sa chambre. Ok. Hey, Yaspooky. Oh non, mais Yaspooky, qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh là là, arrête de pleurer. Je crois que Mario veut plus me parler. Je suis trop triste. Oh là là, mais t'inquiète pas, ça va aller, Yaspooky. Tranquille, tu vas le revoir, Mario. Tranquille. Non, c'est le pire jour de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mario ne répond plus à mes messages depuis 2 jours. Je crois qu'il veut me quitter alors qu'en fait pour moi c'est l'amour de ma vie, Mario. Non mais je crois peut-être que ça y est, j'ai la réponse à tout ça. C'est parce que le Mario là, tu vois, il a remarqué que ce n'était pas la vraie Peach quoi. Oui, c'est Yaspooky quoi. Non mais arrêtez, je vous interdis de dire ça. Je suis la vraie Peach, moi je suis pas Yaspooky. Partez de ma chambre. Partez, sortez de ma
chambre, tu sors de ma chambre, je déteste. Je vous déteste, sors de ma chambre. Mais comme quoi? Complètement poussée par terre, gros. Elle est complètement folle là. Ouais, non mais là t'as abusé, Sim Spooky. Non mais t'es fou. T'aurais jamais dû dire que c'est la fausse princesse Peach. Je le sais, mais mec, c'est la vérité, c'est le cas quoi. Ouais, c'est vrai. Sim Spooky, faut trouver une solution. Faut vite trouver une solution là, c'est tout. Et bah tu sais quoi, attends, bah oui, mec, j'ai une idée. Faudrait faire venir Mario à la maison, le vrai Mario. Attends, je suis pas sûr que ça va fonctionner, Sim Spooky. Je t'explique pourquoi. Vu qu'il y a Spooky, bah c'est pas la vraie princesse Peach. Ça marchera pas. Il viendra jamais à la maison. Réfléchis. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse galère ça, et puis t'as raison quoi. Attends, ben oui, attends, ben tu sais quoi, j'ai une idée gros. Pourquoi pas se déguiser en Mario? Elle n'y verra que du feu peut-être, hein? T'as un déguisement Mario, tu vas me dire? Attends, viens, attends, là, regarde là gros. C'est mon déguisement, regarde. Le petit chapeau et tout. Mec, elle n'y verra que du feu. Attends, mais ça c'est la tenue ça. Ouais, tout ça c'est la tenue de Mario gros. Attends, je vais en... Alors là, Sim Spooky, tu m'impressionnes. Là, tu m'impressionnes complètement. Vas-y, mets cette combinaison. Ok, t'es prêt? Let's go! Et je suis pas trop stylé comme ça en Mario! Attends, stylé! Mec, il faut que t'accroches mes scotch là derrière, là. Comme okay, ça sera encore mieux, gros. Ouais, je vais t'aider. Allez, hop, et voilà, là c'est okay, parfait. C'est parfait, les gars, nickel. Je me retrouve avec Mario! Ouais, en plus, Sim Spooky, t'as la petite moustache et tout. Du coup, on croit vraiment que t'es le vrai Mario, c'est ça le pire. Ah ouais, mec, je te l'ai dit, gros, c'est une trop bonne idée. Alors bon, attends, maintenant faut procéder intelligemment. Tu sais quoi, toi, Sim Spooky, tu restes là en attendant, moi je vais aller retrouver Yaspooky et puis je vais tout d'abord lui demander de venir jusqu'au salon. C'est bon? Okay, reste là. Ok. Vas-y, à toi de jouer, mec. Allez, à moi de jouer là maintenant. Yaspooky? Vas-y, je rentre. Ça va rien d'attendre, elle va jamais mourir. Yaspooky? Comment ça, Yaspooky? Je vous ai dit d'arrêter de m'appeler Yaspooky. Moi, c'est Peach, ok? Ok, mais c'est pas la peine de t'énerver. Si. Et d'ailleurs, j'en ai marre d'être dans cette maison. Moi, je vais aller retrouver Mario. Ouais, je vais aller à la recherche de Mario là. Non, mais c'est pas la peine de m'agresser. Calme-toi. Mais attends, mais reste là. Non, c'est la peine de s'énerver. D'ailleurs, je vais fuguer. J'en peux plus d'être ici, ok? Mais non, faut pas fuguer. Oh non, mince, je crois que je me suis vraiment très mal pris là. Sim Spooky. Sim Spooky, remets vite tout le déguisement de Mario, dépêche-toi. Ok. Vas-y, j'enfile. Qu'est-ce qui se passe, gros? Dépêche-toi, gros. Elle veut fuguer de la maison, gros. Elle est en colère. Dépêche, viens. Faut vite intervenir avant qu'elle parte. Alors attends là, Sim Spooky, faut élaborer une stratégie. Écoute-moi bien. Ce qu'il faut faire, c'est que moi, je vais essayer d'aller la rattraper et dès que je la fais revenir à la maison, toi, tu joues le rôle de Mario. Tu lui fais croire que t'es le vrai Mario, ok? Ok, ça va être compliqué, je vais faire ce que je peux. Allez, vas-y, dépêche maintenant, on va la rattraper. Go. J'y vais vite, je me dépêche. Yaspooky, non, Peach, reviens, Peach. Non. Peach, non. Mais y a Mario, viens. Y a Mario, viens. J'ai dit Mario. Oui, j'ai entendu Mario, t'as dit Mario. J'espère que tu dis pas n'importe quoi, hein. Non, c'est pas n'importe quoi ce que je te dis. Il vient tout juste de faire son arrivée à la maison. Trop bien. En fait, le problème, c'est qu'il a fait son arrivée, mais de l'autre côté de la maison. Mais il est où, Mario? Où est-ce qu'il est? Viens. Il est au salon. Là, il est là, Mario. Mario. It's me, Mario. Tu m'as trop manqué, Mario. Ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. Je peux te faire un câlin? Oui. Ouais. Tu m'as trop manqué. Mais où est-ce que t'es dépassé? Ça fait 2 jours que tu réponds pas à mes messages. J'ai cru que tu m'avais quitté. Eh bien, j'avais une grosse intervention de plomberie chez un client. Je suis désolé, Peach. D'accord, je comprends. Ouais, les gars, ça fonctionne à merveille. Let's go. Faut continuer comme ça, là. Oh, Mario, vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu voudrais pas qu'on organise un petit date? Évidemment. T'as pas l'air très convaincu, là, hein. On va le faire, ce date. Tu veux qu'on le fasse où? Bah, on se fait à la maison, tranquille, là, devant la télé, je sais pas. Ouais, vas-y. Mario, j'ai une petite demande à te faire. Est-ce que je peux te faire un bisou? Parce que ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. Un bisou sur la joue, hein. C'est bon, hein, un bisou sur la joue. Oui, c'est bon, ça ira. Bon, maintenant, bah, si tu veux, je peux te faire visiter ma chambre. T'en dis quoi? Oui, mais avant tout ça, j'ai une petite envie d'aller aux toilettes.
Oh bah ok, ok, vas-y, vas-y, je t'attends, je t'attends. Je vais aux toilettes, hein. deux secondes, hein. Mec, c'est dingue, gros. Mais mec, ça part déjà vraiment trop loin, là. Câlin, bisous. Ça va être quoi après, là? Ça devient très très cringe, gros. Ouais, j'avoue, je suis désolé, c'est gênant, mais on est obligé. Continue comme ça, Sims Spooky. Tu gères, ça cartonne, là. Mais mec, si ça continue comme ça, je vais vraiment pas durer longtemps, gros. Mais c'est Yaspooky, c'est vraiment trop la honte, là. Je sais, mais attends, attends. Eh, bah là, maintenant, faut y retourner parce qu'elle va se douter de quelque chose. Allez, allez, dépêche. Je vais genre la chasse d'eau. Ok. Oh, j'avais trop envie de faire pipi, j'en pouvais plus. Vas-y. Hey, Peach, alors qu'est-ce qu'on se fait ce soir comme dîner alors? Qu'est-ce qu'on se fait comme repas? Dis-moi. Bah je sais pas, peut-être qu'on peut se manger un petit McDonald's, je sais pas. Moi je n'aime pas trop le McDonald's, hein. Je préfère les spécialités italiennes, les pâtes bolognaises, j'adore ça. Ah, oh bah ok, je comprends. Et bah tiens, je peux aller te préparer ça. J'arrive tout de suite. Bon, gros, attends, elle est vraiment partie à la cuisine. Je crois qu'elle va vraiment, vraiment te préparer un repas, là, gros. Ah, mais mec, là, ça part vraiment très, très, très loin, là. Je sais pas où ça va nous mener, tout ça, là, hein. Pour l'instant, Sims Spooky, te prends pas la tête, continue à jouer le jeu. On verra bien où est-ce que ça va nous amener, tout ça, hein. Ok, parlons pas trop fort. Elle peut revenir d'une minute à l'autre, hein. Allez, j'attends mon assiette des spaghettis, moi. Je suis là. Allez, viens, Mario, on va bien déguster ces spaghettis. Allez, Mario, à table. Allez, on va déguster. Oh, c'est si mignon, là, ce qui se passe. Mais en vrai, là, ça devient sérieux, ça devient vraiment un rendez-vous amoureux autour d'un repas, c'est sérieux ça. Bon appétit, Peach. Merci. Bon appétit, Mario. Merci beaucoup, c'est vraiment très très sublime. Allez, bon appétit les amoureux. Hey, Mario, j'ai un petit défi. Hey, tu voudrais pas qu'on fasse le jeu avec les spaghettis? Tu aspires les spaghettis et après ça se fait un petit bisou. Dis oui, chut. Oui, on peut le faire. Allez, viens, Mario, on va faire le défi, allez, viens. Allez, vas-y, Mario, vas-y, faut aspirer le spaghetti. Aspire. Non, j'arrête, c'est moi, en fait, c'est Sims Spooky, je me suis déguisé en Mario. Quoi? Mais depuis tout à l'heure, vous vous foutez de moi, en fait. Non, mais vous êtes complètement sérieux. Non, mais moi, j'en peux plus. Je suis désolé, en fait. Non, mais je pouvais pas l'embrasser. T'es fou. On fait comment, là, maintenant? Mais mec, c'était trop une dinguerie. Je suis désolé, je pouvais pas aller jusqu'au bout, hein. Je vous déteste. Vous êtes les pires frères. Tiens, d'ailleurs, maman, vous m'avez trop énervé, donc je vais fuguer et j'en reviendrai plus jamais à la maison. Non. Viens, on va rattraper. Vite, reviens. Bitch. Non, c'est vraiment horrible ce que vous m'avez fait. J'en ai marre d'être ici, j'en peux plus de vous, ok? Non, mais... Allez, je fugue! Non, fugue pas! Yaspooky, reviens ici! Reviens tout de suite! Non, déconne pas, Yaspooky, reviens! Yaspooky! Attends, Yaspooky, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, déconne pas, Yaspooky, tu vas te blesser! Reviens! Non, mais c'est trop une dinguerie, mec! Non, j'ai merdé là! Mais c'est pas ta faute, Sims Spooky! Je te jure! Je m'en veux trop là! Sims Spooky, arrête! Hey, ressaisis-toi un petit peu là! C'est pas le moment de pleurer ou de bégayer ou je sais pas quoi! Là, il faut agir tout de suite là! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Attends, bah peut-être si on fait décoller le drone, mais je suis sûr qu'elle est déjà partie trop loin! Le drone, t'as raison! Tu penses que le drone ça va suffire? Ouais, avec le drone ça va. Ok, vas-y, perdons pas plus de temps! Au salon, vite! Dépêche-toi! Avec le drone, les gars, ça peut vraiment vraiment nous aider et on pourrait vraiment la retrouver très 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 rapidement. Hey, Sims Spooky, le drone il est où? Là, dans le placard, gros. Ça y est, j'ai le drone, on va le faire tout de suite décoller. Ok, hey, j'ai déjà la télécommande en main, les gars. Hey, vous savez quoi? Je pose juste la caméra juste ici comme ça. Allez, viens, Sims Spooky, viens. Ouais, vas-y, viens, par ici là. Ok, faut se dépêcher. À mon avis, là, elle doit tout simplement être juste au bout de la rue. Ah oui, entre temps, elle a pas dû aller bien loin. Ok, je me dépêche, je vais resurvoler toute la rue et on verra bien. Ok, vas-y, survoler tout doucement, je vais même survoler un petit peu entre les maisons, tout ça. Allez, on devrait bien la trouver à un moment donné, non? Bien sûr, on va la trouver, j'ai confiance. Ok, on va essayer de rester confiants, les gars, c'est plus important. Et si tu vois quelque chose, tu me le dis, hein. Et vous aussi, la famille, et oui, on a besoin de votre aide. Si vous voyez quelque chose que nous, on a même pas remarqué, et bah, faut nous le dire dans les commentaires, dites-le-nous en commentaire, vite, mec, attends. Quoi, gros? Là, tout au fond, là-bas, ouais. Oui, bien une genre de silhouette un peu rose. Oui, et je m'approche. C'est sûrement Yaspooky, ouais. Mais oui.
Ouais, y'a aucun doute. Regarde. Let's go. Fais attention. Oh, j'ai failli complètement m'écraser sur un arbre. Toi, t'es dangereux, t'es vraiment dangereux. Oh, j'ai eu de la chance. Fais gaffe. J'ai eu beaucoup de chance là, à ce moment-là, je crois. Attends. Si je peux m'approcher un peu. Tout doucement. Elle s'approche du drone. C'est Yaspooky. Oui, c'est bel et bien. Oh, Yaspooky, gros. On l'a retrouvé. Ça y est. Je crois qu'elle a vu le drone. Elle a vu le drone. Je crois qu'elle a pas l'air très contente là, hein. Là, je crois qu'elle veut vraiment pas qu'on l'espionne. Mais c'est pas pour l'espionner, c'est plutôt pour la surveiller. C'est plutôt ça, en fait. C'est vrai. Non. Il faut continuer à la suivre. On est obligé de la surveiller, les gars. Et on peut pas la laisser fuguer comme ça. Surtout qu'elle est complètement transformée en la princesse Peach. Et moi, je pense qu'elle peut probablement être vulnérable. Bah oui, si Bowser la voit, il va forcément croire que c'est Peach, quoi. Ouais, que c'est la vraie Peach. Surtout ça, en fait. Ça peut être dangereux. Je vais la suivre. Mais par contre, je peux vraiment dire qu'elle a exactement la même démarche que la princesse Peach. Ça, c'est vrai, c'est vraiment très curieux, quoi. Étrange. Vraiment très étrange. Elle demande encore une fois qu'on parte. Elle veut que le drone s'en aille. On peut pas partir, t'es d'accord? On peut pas partir. Je suis d'accord. Eh, hey, attends, te... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton téléphone qui sonne là? Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui t'appelle? Oh, regarde, gros, c'est Peach. Attendez, mais regardez, c'est vrai, hein, c'est vraiment Peach qui m'appelle, mais. Mais c'est bizarre ça! C'est trop chelou, c'est pourquoi c'est Peach qui m'appelle? Ah, pourtant c'est Yaspooky là, non? Ah, mais ça a changé le contact, c'est beaucoup trop étrange ça! Réponds au téléphone, réponds! Vas-y, je veux savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire! Je réponds. Allô? Pourquoi est-ce que vous m'espionnez avec votre foutu drôle là? J'en peux plus, vous allez arrêter de m'espionner ou quoi là? Mais d'abord, reviens à la maison, t'as pas le droit de fuguer comme ça toi, hein! Je fais ce que je veux, d'accord? Et je reviendrai pas à la maison, ok? Si, tu reviens! Reviens! Reviens à la maison! Reviens! Non! Je ne suis plus à la maison après ce que vous avez fait, je vous déteste! Wow, elle a raccroché direct là! Oh, mais elle est super énervée, gros! Elle est vraiment trop énervée! Mais mec, elle est en colère là! Je sais pas ce qui se passe, mais là, il y a un problème! Il y a un vrai problème avec cette Spooky! C'est vraiment compliqué là, hein! Il y a un problème! Quoi? Regarde juste à côté là! What, mec? C'est Bowser ça? Ouais, c'est Bowser, c'est Bowser! Mais quoi? Attends, montre! Non! Mais non! Elle va se faire choper! Elle va se faire choper! Elle est en danger là! Attends! Oh, il a chopé! Non, mais voilà, mais je le savais! C'est abusé! Mec, c'est tout est de ma faute, gros! C'est à cause de moi qu'elle a fugué! Oh non, Spooky, dis pas ça! Mais arrête de pleurer! Non mais attends. Mais ouais, c'est complètement fait choper par Bowser. Mais le problème c'est que Bowser doit croire que c'est la vraie Peach, alors que c'est pas le cas du tout. Elle est juste déguisée en Peach. Ouais, c'est vrai. Mais attends, je crois qu'elle a réussi à s'échapper. Elle s'échappe. T'es sûr? Elle s'échappe. Ouf. Cours, Peach. Plutôt Yaspooky, cours. Ok, je crois qu'elle a vraiment réussi à s'échapper. Attends, mais par contre, on peut dire que c'est pas terminé, hein. Bowser veut pas lâcher l'affaire, hein. Il court après. Attends, est-ce que tu penses que je peux complètement survoler la petite ruelle? Ouais, tu peux. Vas-y. C'est difficile. Les perds pas de vue. Fais attention. Ils sont partis déjà trop loin là. Non. Attends, ils sont partis de côté gauche. Ils sont partis à gauche. Là-bas. Tout au bout là-bas. Au fond de la rue, mec. Ok, ils sont tout au bout de la rue là, je crois. Ok, j'essaie de les rattraper. Regarde, il y a vraiment une course-poursuite en plein milieu de la rue là. Regarde ça, gros. Oh là là, Bowser, il veut vraiment pas lâcher l'affaire quand même. Hein. Il veut choper la princesse Peach. C'est ça le problème. Fais attention, il y a des fils électriques. Aïe, attention. Je crois que j'ai failli percuter les câbles électriques. Fais attention quand même. Ok, faut que j'essaie de les suivre. Je vais suivre. Faut vite qu'elle court jusqu'à la maison là. Ouais, c'est vrai ça. Faut qu'elle se dépêche. Cours. Elle s'est fait choper. Non. Ok. Elle est en train de se débattre. Let's go. Allez, let's go. Cours, on y croit. Cours. Yaspooky, cours. Allez. Okay. Je crois qu'elle court jusqu'à la maison. Elle doit être dans la rue là, juste à côté là. Tu crois ça? Oui. Viens, vite. Vas-y. Attends, peut-être qu'on peut aller jeter un œil au niveau de la baie vitrée. Viens, au niveau de la vitre. Faut regarder dans la rue. Là-bas, regarde. Il y a Peach qui est en train de courir. Vite. Oh, regardez, ils arrivent. Peach, dépêche-toi. Faut qu'on aille ouvrir la porte d'entrée. Dépêche-toi, vite. Allez, ouvre la porte. Vite. Oh, Peach. Oh, la dinguerie. Ça va, Yaspooky. J'ai eu la peur de ma vie. Bowser, il m'a attrapé. J'ai cru qu'il allait me kidnapper, mais j'ai réussi à me débattre. On a tout vu, hein.
Et oui, on a tout vu au niveau du drone et tu l'as vraiment échappé belle, hein. Et ça y est, cette fois c'est fini, hein. Tu arrêtes de fuguer de la maison, hein. Oui, j'arrête, ok. Et attends, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faudrait t'arrêter de te prendre pour la princesse Peach, hein. Ouais, ça c'est vrai, ça. Arrêtez de le dire, hein. Vous commencez à m'énerver déjà, ok. Quoi? Mais non, mais c'est vrai, c'est dans l'abus là, non? Non, je suis la vraie Peach, ok. Je suis pas Yaspooky. Allez, laissez-moi tranquille. Non, mais ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça continue. Alors ça, je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour lui relever ça de sa tête. En tout cas, là, je crois que c'est pas prêt de se terminer ce problème là, hein. Oui, c'est clair, mec. Elle est têtue, elle est vraiment trop têtue. Mais en tout cas, je veux quand même dire que ça se termine plutôt bien. Et attends, viens, c'est Miss Spooky. On pourrait observer Bowser. Je crois qu'il est devant la maison. Il est devant la porte, en plus. Oh, il est là. Mais il est tout juste devant la maison, gros. Mais quand est-ce qu'il va dégarpir? Non. Enfin, il fait que de traquer Peach. Enfin, il y a Spooky, quoi. Oh là là. Mais c'est ça quand on se déguise en Peach, hein. Bah oui. Eh, on attire Bowser, ça c'est sûr, hein. Bon, vous savez quoi? Je crois que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. Ça se termine plutôt correctement. Eh bah ouais, c'est vrai que ça se termine plutôt bien, hein, par rapport à d'habitude, hein. Je peux le dire, ça, hein. Ah bah oui, Sam, ça mérite un pouce bleu. Bah oui, ça mérite un grand pouce bleu, du coup, hein. Bon, je crois bien que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé. Si c'est le cas, il faut bien évidemment mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait trop plaisir. Et puis il faut également s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Et assurez-vous que s'il se passe encore quoi que ce soit au sujet d'Yaspooky, eh bien on n'hésitera pas à vous faire encore plein d'autres vidéos. Sur ce, on vous laisse, plein de gros bisous et allez, ciao.